L'histoire du jour. Par Monsieur Zoutcraft. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune et belle princesse. Elle se nommait Zelda. Un jour, un homme kidnappa cette femme. Son père, le roi, lança des recherches dans tout le royaume. En vain. Il décida donc que celui qui trouverait la princesse aurait sa main. Commence des recherches dans tout le royaume. Fouillez chaque recoin. Cinq de carreaux. Dix de trèfle. Roi. As. Le roi balas, je l'emporte. Oui, t'es sûr? Mais oui. Bon alors, ça avance ses recherches. Comment ça, pas retrouvé? Eh bien, les gardes ne sont pas trop efficaces. Allons demander de l'aide aux autres princes d'autres royaumes. Tous les princes du royaume se lancèrent dans cette recherche, mais aucun ne la trouva. Le roi, se faisant vieux, mourut de chagrin. Princesse ! Princesse ! Je ne suis pas mort, bande de crétins. Cherchez l'assassin. Où est-il passé? Cherchez dans les toilettes. Qui c'est qui a pissé sur la cuvette? Le royaume d'Hyrule, défendu des forces du mal par la Triforce que détenait le roi, sombra alors dans le chaos. Un beau jour, dans un village, un jeune homme naquit, et, sur sa main, y était inscrit la Triforce. La doyenne lui expliqua que le détenteur de ce signe était le seul à pouvoir sauver la princesse Zelda et sauver le royaume.
mon fils. Oh, la Triforce. Le jeune homme décida de partir en quête de la princesse. Il affronta 1000 dangers. Un beau jour, il découvrit que Ganondorf était à l'origine de l'enlèvement. Il le détruit et réveilla la princesse. Jesus.
Link réveilla la princesse et le royaume fut sauvé. Ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux.